Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA by Coins. En plus, avec le code Robert87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour l'épisode 33 de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. On se retrouve dans la continuité de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la. Donc, on va essayer de voir un peu les joueurs comme ça de l'ATO qui peuvent être intéressants. Donc, je vous rappelle les joueurs de l'ATO, l'équipe de la semaine. Donc, on a dans les joueurs très intéressants, vraiment pour nous, je pense qu'il y a Schürrle, Depay, Aubameyang et Mertens. Mertens, voilà. Après dans les joueurs argent, voilà, ça c'est mon chouchou, Kouyaté. Je ne sais pas comment ça se prononce, on va dire que c'est comme ça. Regardez sa stat de physique, 89 de physique avec 79 de vitesse, c'est juste un monstre physique. En défense, vous prenez Kouyaté et vous avez, je pense, l'un des meilleurs défenseurs du jeu. En défense, il a 74, ce qui est loin d'être ridicule, en sachant que dans ce jeu, ce qui est important, c'est de courir vite et d'être costaud derrière, en tout cas défensivement. Donc Kouyaté répond parfaitement à ça, et en plus normalement il est MDC ou MC, je sais pas exactement, je crois que c'est MDC hein, exactement, et donc ça fait de lui un très bon joueur. Il a même 3 de mauvais pieds, ça c'est plutôt intéressant pour les relances défensives, je veux dire. Donc vraiment un très très bon défenseur. Le problème c'est qu'il coûte très très cher, en sachant que sa carte MC-MDC elle aussi a pris un envol énorme. Donc ceux qui ont acheté, félicitations à eux, j'en ai pas acheté moi. Et j'aurais dû parce que c'est normal, il y a argent que je ne le trouve pas. Voilà, 27 000. Donc 1 650 000, il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y en a pas 50. Donc on voit que 5008, celui-là, il faut bien le suivre. Hein, parce que pour le moment, il n'y en a pas 50. Et le prix le plus bas, je crois, il y a 27 000. Donc par exemple, celui à 17 000, ça donne envie. Le problème, c'est qu'il est MC et que son poste, moi, que je trouve intéressant, c'est son poste en défense centrale. Donc c'est un peu dangereux, c'est un peu dangereux. Voilà, donc on va se faire du Schürrle, du Aubameyang. On a déjà fait deux P, donc on va se faire Schürrle par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire comme ça. On va faire par nationalité, allemand, championnat, Bundesliga, pour vraiment bien cibler le Schürrle de Wolfsburg. Hop là, j'aurais dû partir dans l'autre sens, ça aurait été plus vite. Poste, il est milieu gauche. Voilà, parfait. Donc déjà sur le, c'est 300 000. Les cartes boost là, 385 000. Donc on va essayer de regarder si on peut pas essayer de le choper moins cher que son prix. Qu'il n'y en ait pas un qui confonde avec celui de Chelsea. Hop là, 22 000, il y en a encore, 21 000, il y en a encore, il y en a 20 000 même. Donc c'est 20 250 le prix le plus bas, en tout cas en enchère. Milieu gauche. On va juste regarder son attractivité. Alors là, le problème c'est que c'est assez compliqué à voir parce que c'est mélangé avec toutes les cartes boost. Alors, au final, il n'y a pas tant que ça. Hein. Parce que je pense que si on va avoir 15 pages, c'est le maximum qu'on va avoir. En sachant qu'il y a énormément de Schürrle boost et de Caligiuri, là, je sais pas comment il se prononce, Caligiuri, pardon. Alors, on a que 13 pages, donc on va dire qu'il y a à peine 4-5 pages peut-être de Schürrle à 81. Donc, je pense que celui qui était à 20 250 avec les 14 contrats, je vais l'acheter pour pouvoir lui mettre du contrat. Je vais aller un peu vite. Je pense qu'il va être intéressant. Et œil de lynx en plus, mais bien sûr que j'achète. Bien sûr que j'achète. Ok, je vais le mettre, je pense, à 25 000. Placer dans l'équipe active. Hop. Donc sur le, celui-là est vraiment très intéressant. On va aller voir aussi. Il y en a un autre qui s'est rajouté à 20 000, c'est ça? Non, c'est le nôtre.
frère, qu'il n'y en ait pas un autre qui soit rajouté. Je vais juste regarder en enchère. S'il n'y en a pas qui se finissent prochainement. Pareil, je vais regarder son prix comme ça. On a suffisamment d'argent pour pouvoir s'en acheter un. Celui-là, Maestro, évidemment qu'on va essayer de le remporter aussi. On va essayer de les remporter tout cela. En tout cas, de les suivre au moins. Vous voyez, 35 000, quand ça, on va comparer le nôtre et celui-là, il a tout mis à 36 000, ok, à 99, ouais, tu vas un peu. Donc là, nous, on va lui casser un peu son rêve, hein, parce qu'on va le mettre vraiment beaucoup plus bas. Là, 16 000, on va essayer de l'acheter aussi. Il y a pas énormément de... Ah, celui-là, on va le suivre aussi. Pareil, il va être intéressant. Ok, bon, en tout cas, on va aller mettre celui-là en vente pour le moment. Donc là, on va lui rajouter seulement deux contrats. Ça va suffire. Ça fait pas 99, mais on a 98, donc on est vraiment bien. Et quand ça va comparer au prix de l'autre, je pense qu'on va même pouvoir le mettre à 26 000. Ça fera quand même 5 000 de bénéf, hein, quasiment. Donc vraiment très intéressant. J'espère que ça va partir comme un petit pain. Je pense qu'en tout cas que ça va partir comme un petit pain. Après, bon, je peux me tromper, hein, mais je dirais que c'est ça. J'aime les serveurs d'Electronic Arts. Je le dis dans chaque vidéo, je sais. Donc, parfait, on va faire Aubameyang. On va essayer d'en acheter au plus bas prix. Et après, on va faire Mertens. Il y en a pas. On a dit que c'était 3005 tout à l'heure, mais on va regarder. Il y en a beaucoup à 3005. Comment on peut amener un joueur à 36? J'arrive pas à comprendre. Bah, comment on peut faire ça? Je sais pas, il y a des trucs comme ça qui se passent. Je comprends pas comment les gens ils peuvent descendre. De descendre son joueur à 36. Non mais what the fuck? Je sais pas. Après, il est intéressant hein, parce qu'il y a juste une carte à 150 à rajouter, une carte contrat et ça c'est parti. Hein. Et c'est parti. On va essayer de le voir aux enchères. Je pense qu'on peut le trouver moins cher. 2008, évidemment. 3000. Il n'y a pas tant que ça, hein. Il y a vraiment très peu. Celui-là est vraiment très intéressant, mais à mon avis, il va pas rester à ce prix-là. 3000. Ok. Je pense qu'on s'est fait surenchérir, bien sûr. On va pas mettre trop, hein, non plus. 15 000, celui-là, 8 minutes de paix. Alors l'autre, on l'a perdu. À 1700, il est parti. Ça fout un peu les boules quand même. Ça fout un peu les boules, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Non, bah, bien que je voulais voir si je pouvais pas le... Bon, déjà, pour le moment, c'est moi qui le remporte, celui-là, c'est bien. 3002, 3003. 3003, autant acheter l'autre. Hein. Ouais, non, mais c'est pas... C'est pas possible, ça. Parce qu'il y a plein à 3005. Il y a l'autre à 3005 là avec ses 42. Hein. On achète une carte à 62. Ah merde, il s'est fait vendre le con. Le con. Putain, le prix est encore en train d'exploser. Il n'y en a aucun qui a un style là, pour essayer de diminuer un peu le coût. Il a 10 contrats lui, mais c'est franchement limite hein, parce qu'il a 90 de forme. Donc, si on monte un tout petit peu, est-ce qu'on n'en trouve pas un qui nous a mis 99 contrats ou un truc comme ça? Là, il y en a un qui a 19 déjà. Et bon, avec un contrat là, c'est pas assez intéressant. Mais bon, des fois, on peut en trouver comme ça un peu plus cher. Où le gars c'est pas fait attention qu'il y avait une hausse des prix. Et on en trouve des fois 80. Ah. Il y en avait un là à la fin avec 33 contrats, j'ai vu. Ça, c'est dans ceux qui ont les ont mis il y a un petit bout de temps. 4000 de base, dommage. On va monter jusqu'à 4004 et on va essayer de regarder s'il n'y en a pas qui a tous ces contrats et un style. 53 et Vista, voilà par exemple, c'est exactement ce que je cherchais. Super, à signer.
on va le mettre plus cher que ça. On va lui rajouter un seul contrat et on va le mettre à 6-7 000 à peu près. C'est exactement le type de joueur que je cherchais. Œil de Lynx, 4002, pareil, je l'achète. Ça, c'est des styles qui, en tout cas, Œil de Lynx, ça coûte cher. Hop, on va te placer sur la liste des transferts pour le moment et on va mettre du contrat. On va en mettre qu'un seul à lui déjà. Ouais, un seul avec Vista. Donc là, on l'a acheté 4002. Le contrat, ça fait 4005 avec l'autre 4007. Mais moi, je vais le mettre à 6000. 6002, je pense que ça va partir quand même un petit peu. Et notre autre Aubameyang. Hop, on va y au club. Je vais pas avoir assez de contrats, c'est chiant. Ok, on va essayer d'en trouver un argent à 300 par exemple. Ça devrait suffire. Ah non, ça suffira peut-être pas. Qu'est-ce qu'on passe en contrat? On va essayer de le remporter, mais bon, j'ai peur qu'on se fasse encore niquer. J'ai peur qu'on se fasse encore niquer. Je tente, je prends des risques. Oui, on va l'acheter en achat immédiat. Le 350 aussi. Qu'est-ce qu'on passe comme contrat quand on fait ça? Hop. Donc celui-là, on va le mettre directement sur notre joueur. Ça sera fait. Pardon, ça fait du bruit, je me grattais la tête seulement. Ouais, toi tu vas au club. Il est parti à combien Aubameyang là? 4100, bien, mes chéris, bien, vous êtes malin. Chorlon, toujours à 15 250. 2P, on va essayer d'augmenter. Au bas. Ouais, celui-là est vraiment très intéressant. Tu les finis en combien de temps? 1h05. Ok, bon, on sera pas en vidéo. Mais en tout cas, je vous montrerai si j'ai réussi à le remporter ou pas. Après, je veux pas vraiment pas mettre très cher parce que son prix va faire que baisser. Donc, faut vraiment que je fasse une grosse opportunité pour que je puisse l'acheter. Donc là, on va le mettre un peu plus cher parce qu'on a quand même un bon style. 6008, ça me paraît correct. Est-ce qu'il y en a qui se finissent là ou pas? Pardon, gros Rototo. Allez hop. Que c'est lent, mais que c'est lent. Parce que là, sur le, j'ai toujours peur, hein, ça descend tout au long de la semaine, malheureusement. Donc, acheter l'IF comme ça, c'est un peu dangereux. Alors, au contraire de Ménès, où je pense que son IF est assez bas pour le moment. Et je pense qu'on peut faire une bonne opportunité. Le problème, c'est qu'il est assez cher, je crois. 250 000, hein, on est limite 180 000. J'ai juste deux. Hop. Sur foot PC. À combien il est, Menez? Il a 110 000, d'accord. Bon, tu as 110 000. Et son prix, il faut regarder. Et il redescend. C'est rigolo. Il était remonté tout de suite après. Il était remonté, il redescend. Donc là, je pense qu'il est intéressant à racheter Ménès. Hop, pardon. Donc Ménès, je vais investir dessus. Son prix est en train de descendre, mais je pense qu'il va remonter 110 000. Cent quatorze mille, ils se vont pas. Hein.
C'est bizarre qu'ils vendent pas comme ça. Ouais, bah, moi aussi, ça me dérange pas. Hein. Je vais essayer de lui remettre un style au pire derrière. Des fois, on peut faire des grosses affaires comme ça. 109 000. C'est celui-là qui a 110 000. Ok. 122. Je vais le suivre quand même, celui l'autre. Qui c'est qui était aussi? Cabela, son prix, il a dû vachement chuter, je pense. Voilà, le mettre aux objectifs transfert, je sais pas combien il est. On va mettre 10 000, ouais, on va mettre 9 000 au minimum. Et là, on va monter jusqu'à 20 000. On va voir s'il y en a ou pas. Il n'y en a pas. Je sais pas combien il est, 25 000, 30 000 peut-être. Et il n'y en a pas, non, non, il est plus cher que ça. Et donc on va bien le suivre, celui à 10 000 là, je pense qu'il peut vraiment être intéressant. On va essayer de voir 37, 37, 39, 39, 35. Ok, ouais, il est vraiment intéressant. Chourleux. Je ne te laisserai pas partir comme ça, mon petit chourleux. 33 000. Évidemment que toi, je vais essayer de te remporter, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Chourleux, c'est 1 heure encore. Ménès, combien de temps? 11 minutes. Oui, vous calmez là? Qui est le patron ici? C'est pas possible. C'est pas possible. Et il nous reste Mertens aussi qu'on n'a pas fait. Bon, je sais pas combien il était. Il était vraiment pas cher, hein, Mertens. Hein. Il était à peine à 1500. Et à 2 à 2002. D'accord. Ben, très bien. Merci. Même si c'est buteur, c'est pas très grave. Ça se vendra. Mais voilà. Merci les gars de vous être trompés à ce point-là. Moi j'aime. Soit les transferts, soit les transferts, d'accord. Parce que là, on ne sait même pas son prix. On sait qu'au minimum, il a 2009. Voilà, 3000. 3000, c'est bon ça. Avec Maestro en plus, hein. C'est pas des petits trucs à 3000. Non, mais les gars, j'achète tout ça, moi. Allez, partez. On va le faire monter le prix du Mertens. Surtout celui avec 90 là. Là, je pense que. On pourrait faire que ça, j'ai l'impression. Et on va essayer de le choper en enchère, pareil. Tous ceux qui finissent là. Parce que je suis sûr qu'à 3000, on peut l'avoir bien moins cher en enchère. Donc 4003, c'est bon ça. Hop, 900, 3000, on va pas investir. On s'en fout que ce soit MC à 700, il partirait, il va partir quand même un petit peu hein, si on le vendait. Ouais, 3007, 3008, ok, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à tous nos petits Mertens? Donc lui qui est buteur, qu'on a acheté 2002, je crois. Putain, j'ai failli me mettre en vente rapide. On va le mettre à 3007. Lui, pareil. 3008. Notre petit ami qui est Maestro à 3000. 3008 aussi. Pareil. Sans rien faire. Notre ami qui est alors là, lui, on va l'envoyer au club pour le rendre un tout petit peu plus attractif. Au moins lui mettre une carte de 20. Ouais, si quand même. Envoyer au club. On va essayer de le rendre un peu plus beau. Ah, lui, je l'ai acheté un peu cher, lui là. J'ai acheté un peu cher. Bon, c'est pas très grave. Son prix ne fait que monter, j'ai l'impression. Sur le, on l'a perdu, c'est ça. 2P aussi, 2004, hein, c'est dommage 2P. Hein.
3002, oh là c'est. J'enlève. Kabela évidemment, qui va pas rester à ce prix-là, mais je mise quand même. Ok, on va acheter un peu de forme. You, hop. Enfin, ça suffit pour notre ami. Qu'est-ce qui monte? Ouais, bah, Kabela, évidemment que tu vas monter pour le moment. Menez, ça monte pas. On va suivre ça. Bon, j'attends de mettre le Mertens en vente. Kane, je voulais regarder Kane, moi. Mon petit Harry Kane. Et là, si je te mets comme ça va pas marcher. Ça pourrait, mais. Ok. T'as 1,2 million quand même, hein. Celui à 74. What the fuck? 1 million, c'est cher hein, quand même. C'est très 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 cher. Ok, bon, pas intéressant. Bon, est-ce que j'ai remporté? Bon, là, je suis en train de me faire tout racheter. Non, mais je suis à 20 là, tu fous ma gueule là? Y'a quand même pas un abruti qui a mis. Non, mais c'est qui l'abruti qui a acheté mon truc à 20 là? Aïe 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 aïe. Alors, je vais acheter celui à 60. Ça va me revenir aussi cher. Juste pour me faire chier. Il y en a un qui a amusé, j'ai l'impression que c'est ça. Allez, je vais lui mettre et je pense que on va arrêter l'épisode. Voilà, il a parti à 200 alors que. Bon. Mieux vaut rien dire. Bon, celui-là, pareil, on va retirer, c'est un peu cher. Kabela, on va attendre. Voilà, on va remporter notre forme. Parfait. On va pouvoir le mettre sur Mertens. Ah, mon choupinou là. Il est où mon Mertens? Ah merde, je l'ai pas mis. Bon, on va l'envoyer vers le club au pire. Il doit bien y être quelque part. De bien y être. Hop. Ah, je l'ai envoyé au club, d'accord. C'est pas grave. On a des formes. 60. Et contrat, est-ce que j'ai des petits ou pas? Je suis pas sûr. Non, j'ai pas de petits, donc on va pas lui mettre de contrat. Et donc là, 2-3 000. On va le faire passer à 5 500. Et ça va partir tout seul. Tout seul. Sans rien faire. Ça va partir. Cabaye, évidemment qu'on va essayer de le remporter quand même. Toujours le nom pour le moment on laisse. Bon, j'espère que ce 33e épisode ou 32e, je ne sais plus du tout où j'en suis, vous aura plu. Je vous dis à demain. Il y aura sûrement un live d'achat-revente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager comme d'habitude. Je vous dis à demain. C'était Robert 87000. Allez, ciao les gars.